marché parisien reste très bien orienté ce midi dans une actualité toujours chargée en publication. Et du côté des valeurs, Danone domine les hausses ce midi sur le CAC 40 après avoir publié des résultats annuels conformes aux attentes. Le groupe a aussi annoncé la suppression de 900 emplois dans la direction et l'administration en Europe. En hausse, on retiendra aussi l'équipementier Michelin qui réagit avec un peu de retard aux bons résultats de son rival Bridgestone. Globalement, les défensives sont également bien orientées ce midi à l'image de Carrefour et Schneider Electric. Très peu de valeurs sont en repli ce midi sur le CAC 40. Technip cède à peine 0,1%. Et on se penche ce midi sur le secteur automobile. Les ventes de voitures neuves ont encore chuté de 8,7% en janvier sur le marché européen. Aucun constructeur n'échappe à cette tendance, pas même l'allemand Volkswagen. Du côté français, les ventes de PSA s'effondrent, chutant de plus de 16% sur la période. De son côté, Renault limite la casse avec des immatriculations en recul de 5,6%. La marque aux losanges profite de la bonne performance de sa marque low-cost Dacia. C'est la fin de ce flash. Votre prochain rendez-vous, c'est à 18h pour la clôture.